Écoute bien celle-là. On était moins Duquette pis Beauvais. Oh, qu'est-ce que Duquette écrit celle-là? Ben, il nous suivait pour son training. Anyway. On avait reçu un appel de détresse d'un asti hystérique, man. Ça a l'air qu'elle criait tellement que le gars central savait même pas pourquoi elle appelait. Fait que vous non plus en arrivant là-bas? Exact. Ah, pis il faisait chaud en sacrement cette journée-là. Pis l'appel venait d'un bloc à 4 étages, là. Genre juste assez pour pas avoir d'ascenseur. Puis je te gage que l'appel venait du 4e. Évidemment. Fait qu'on arrive, pis là, asti, l'hystérique criait tellement qu'on l'entendait de dehors, asti. Fait qu'on rentre, on monte les astis de 4 étages. Du 4 t'as à bout de souffle, asti. Tu sais, les normes d'entraînement sont plus ce qu'ils étaient. Fait qu'on arrive, pis là, ça sentait le calice. Fait qu'on savait qu'on avait affaire à un cadavre. Yes, sir. Fait que pendant que Beauvais essayait de calmer la petite madame, là. Ah, il est bon là-dedans, lui, tu sais. Ben, moi et Duquette, on rentre pour voir la situation. Ben, le gars, il s'était pendu après un des frames en métal du plafond, hein, c'est ça. Fallu qu'il enlève des tuiles ou je sais pas quoi pour faire ça. Il voulait en crise. Mais qui c'est qui a pris? Mais pour se pendre? Une rallonge électrique. Tabarnak! C'est pas ça le plus drôle. Le plus drôle, c'est que le gars était fucking énorme, man. Un hostie de baleine. C'est étonnant que le frame en métal y ait tenu? Justement, non. Il a pas tenu. On rentre, pis là, on appelle. Attends, on arrive, tu me contras ça tantôt. Ah, ok, c'est ça. Ouais. Il est entré, il est sorti. Puis il n'y a pas personne de sa famille qui est venu ou qui a appelé. Quoi que je cherche, à part d'une fille qui vient coucher à l'occasion, il n'y a pas de famille, ce monsieur-là. Police, ouvrez, s'il vous plaît. Qu'est-ce que tu fais là, toi, Carlis? On ne sait jamais qu'est-ce qui nous attend là-dedans. Hey, il vient de te le dire, ça fait une couple de jours qu'il n'est pas sorti de là. Là. Au pays, il est juste mort. Il va pas te tirer dessus, Chris. Non? À un moment donné, tu me rappelleras de te compter l'affaire Paquette. Paquette? Il est pas mort, lui? Ouais. OK. Rambo? À toi l'honneur. Oh, oh boy. OK. Je pense que tu peux ranger ça. Ah, ben, merci d'avoir appelé. Ah, salut. On a besoin de quoi, on vous rappelle. Ah, OK. OK? C'est bien.
Ça marche. Merci. Bonjour, là. Bonjour. C'est une coupe de bon lait du site. Oh. Le comte de Monte Cristo, man. J'ai toujours voulu le lait, celui-là. Allez voir les autres pièces, il n'y a pas de l'air d'être ici. C'est cool, je te couvre. Suis ton nez. Raymond! Ouais? Je l'ai trouvé, tu peux appeler le coroner! Trafic, il pourra pas être ici avant une heure. Chiale pas, tu vas pouvoir lire ton livre. Fuck that, si je l'amène chez nous, il en aura plus besoin, lui, anyway. J'ai faim, man. Pourrais te faire venir une pizza? C'est une bonne idée, m'a dit, parce qu'il n'y a pas grand chose de bon ici. Hey, les rosiers. Ouais. C'est quoi un strapontin? Alors, je pense que c'est une affaire que les femmes y mettent après leur ceinture pour faire comme des hommes. Petite gang de fuckers. Quelle histoire? Qu'est-ce que tu lis? C'est l'histoire d'un gars emprisonné à tort là, qui s'évade pour prendre sa revanche sur son meilleur ami qui l'avait fait enfermer avant de se sauver avec sa future femme. Ah ouais. Je pense que j'ai vu le film. Man, tant qu'à rien faire, finis donc ton histoire de tantôt. All right. OK, fait que...
Ben, c'est ça, là, on rentre, pis là, le gars t'a pendu avec sa rallonge électrique après son frame en métal, là. On appelle le coroner, comme d'habitude. Tout à coup, on entend un hostie de craquement. On a à peine le temps de se revirer qu'on voit le gros Chris Cole, c'est le canteur. Mmh, c'est-tu que je savais? Le frame a juste cédé sous le poids, man. C'était fucking drôle. Ouais, pas sur le coup, quand même. Ah, oh, ouais, c'était fucking drôle sur le coup. Ouais. Mais le moins drôle, par exemple, c'est quand t'es venu le temps de le descendre, le gros tabarnak. Pas d'ascenseur, a fallu le descendre à bout de bras du quatrième étage. Fait qu'on se prend à trois, Duquette, moi pis le petit Beauvais, là. Ah, c'est-tu le gros Duquette, soit comme un porc. Fait que le cadavre commence à être glissé dans les mains, tout à coup, aussi. Ah, je pense que c'est la pizza, man. Mm-hmm. Bonjour. Bonjour, je peux-tu vous aider? Est-ce que Max est là? Oui, mais il est pas vraiment disponible pour le moment. Ah. Est-ce qu'il y a un problème? Si on veut, il a glissé puis il s'est fendu le crâne dans la salle de bain. Vous me niaisez, là. On est la police, madame. On n'est pas dans l'habitude de niaiser. Puis est-ce qu'il va bien? Puis il est mort, madame. Ça fait 12 et 30. Shit. Gervais, t'aurais pas ça genre 2 piastres, hein? Pas une scène, man. Tu aurais pas ça 2 piastres, hein? Ben, merci en passant. Fait que, comme je disais, là, on descendait le gros Chris par les marches. Ben, tout à coup, le cadavre glisse des mains de Duquette. Non! Oh, yes! Fait qu'on échappe le corps, puis là, il se met à débouler les marches une par une, man. Un crime aussi, il y a quelqu'un qui dormait dans le bloc qui s'est réveillé en esti. Ouais. Mais c'est pas ça le pire. Le pire, c'est que pendant que le corps déboulait, là, il y a quelqu'un qui montait les escaliers. Il s'est fait ramasser bien solide par le gros. Tabarnak! Puis quoi, il est mort? Le gars qui montait, il s'est cassé le cou sur le cou. Ouais. Fuck! Ça vous a pas mis dans la merde? Écoute bien ça. Le gars en question était recherché dans un paquet de villes pour une histoire de meurtre pis de viol de mineur. Tu me niaises. Nope. Fait que c'est comme ça que j'ai eu ma promotion. Fuck, man. Job back.